Je veux qu'on fasse quelque chose. Hein. Si on enlève tous ces hommes de Dieu qui sont appelés des faux pasteurs, des faux prophètes, si on enlève toutes ces personnes sur lesquelles on dit que ces gens-là, ces hommes de Dieu, ces prophètes-là, sont en train d'utiliser une force démoniaque. Si on enlève toutes ces personnes-là de l'Église, il va rester combien d'hommes de Dieu? Il va rester combien de pasteurs influents? Il va rester combien de prophètes qui émergent à l'échelle mondiale? Il va rester combien de personnes? S'il y a un pasteur qui arrive à impacter le monde, s'il y a un pasteur, s'il y a un prophète qui arrive à sortir du cadre local, de son église, de son quartier, de son pays, et va au niveau continental, au niveau global, c'est qu'il ne peut pas le faire par l'Esprit de Dieu. Forcément, il est rentré dans une secte. Forcément, il est en train d'utiliser une force démoniaque. Pourquoi? S'il y a un artiste, s'il y a un chant de gospel qui arrive à faire un bon boulot, qui arrive à emballer tout un pays, à emballer toute l'Afrique, à emballer tout... C'est qu'il fait partie d'une société secrète. C'est qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand c'est local, quand c'est local, c'est que ça ne donne pas quelque chose de très influent, ça ne donne pas un impact fort. C'est ça qu'on colle à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Prends une seconde et réfléchis un peu. Pose-toi la question. Il y a quel grand homme de Dieu sur lequel on n'a jamais dit qu'il fait partie d'une société secrète? Il y a quel grand homme de Dieu? Que ce soit d'ici, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, peu importe le pays, peu importe la dénomination, tant que cet homme-là commence pas à faire des choses extraordinaires, tant que cet homme-là arrive à dépasser le cadre local, c'est qu'il devient un occultiste. Aujourd'hui, l'occultisme est tellement lié à l'Église qu'on ne peut plus respirer, on ne peut plus s'afficher avec certaines personnes. On ne peut plus dire qu'on fait partie des fans ou bien des gens qui suivent une certaine personnalité donnée. Mais on fait partie du même corps de Christ. C'est ce qu'on se dit. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui se passe derrière la scène. Ce qui se passe derrière la scène. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a l'occultisme dans l'Église. Pourquoi on inculpe tous ces hommes de Dieu? Pourquoi on essaie de discréditer tous ces hommes de Dieu? Pourquoi on dit que Tibi Doshua n'a pas été un vrai homme de Dieu, n'a pas été un vrai prophète de Dieu? Il a utilisé une force démoniaque, il a falsifié les miracles, il a payé des gens pour dire qu'ils sont guéris, tout ça là. Pourquoi on dit du bishop Tidi Dix, pourquoi on dit de cet homme-là qu'il est un occultiste, qu'il est quelqu'un qui pratique l'homosexualité? Pourquoi? Pourquoi on inculpe tous ces grands hommes de Dieu-là? Tous ces grands hommes de Dieu, pourquoi on les inculpe? Pourquoi on essaie de salir leur nom? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière la scène? C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je veux t'inviter à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne. Laisse-moi un pouce j'aime à la vidéo parce que ça va te faire du bien. Ça va t'apporter quelque chose de plus. Et regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va être rempli de bonnes choses. Il fut un temps, il y a quelques semaines, que l'histoire avec le pasteur Tidi Dix a commencé en Amérique. Le monsieur, c'est un monsieur très influent. C'est un monsieur que je suis beaucoup. Pratiquement, je suis toutes ses vidéos. Je regarde toutes ses vidéos qu'il poste sur sa chaîne Tidi Dix. Pratiquement toutes les vidéos. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis le monsieur. C'est un patriarche. C'est un homme âgé qui a de la sagesse et qui transporte une onction donnée. Il y a quelques semaines, quelques jours, que ça a commencé, on a commencé par parler mal du monsieur. On dit qu'il est dans l'occultisme. On l'a vu avec quelqu'un qui est dans l'homosexualité, dans une fête, qui a pris une photo avec lui. Et ça a commencé par se dire que Tidix est un homosexuel, qu'il est dans l'occultisme. Il y a des choses qui ont commencé par se dire tout ça. Quel est l'objectif pour lequel on dit toutes ces choses-là? Ça n'a pas fait
deux, trois jours quand l'affaire avec Tibi Doshua a commencé. Le documentaire là qui est sorti, laisse-moi te poser une question. BBC qui a sorti le documentaire, est-ce que BBC parle de Jésus sur sa chaîne? BBC, est-ce que ça parle de Jésus là-bas? Est-ce que ça parle de la chrétienté? Est-ce que ça parle de Christ là-bas? Maintenant, ce sont des gens qui ne croient pas en notre Jésus. Ce sont des gens qui ne croient pas au Christ. Ce sont des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Maintenant, qui ont le discernement des esprits, qui ont le don de discerner les esprits. Ce sont eux maintenant qui vont nous dire qui est vrai et qui n'est pas faux. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si Tidi Dix, par exemple, est dans une secte, il est un occultiste. Pourquoi des occultistes vont vouloir l'exposer parce qu'il est occultiste? Ils ont quoi à gagner dedans? Si le monsieur est occultiste et il fait l'œuvre de Dieu, ce serait un avantage pour les occultistes. Ils ne vont jamais chercher à l'exposer. Jamais. Si Tibi Doshua est un faux prophète, il a fait des bêtises, il a fait des choses qui ne sont pas bien. Il a utilisé les forces démoniaques pour faire des miracles. Pourquoi maintenant une chaîne qui ne croit pas en Jésus, ça veut dire qu'ils sont dans le monde occulte. Maintenant, pourquoi ils vont chercher à dévoiler ou bien à révéler le mauvais côté de ce monsieur qu'ils prétendent être de leur côté? Non, il n'y a aucun royaume qui est divisé. Il n'y a aucun royaume qui se lève contre lui-même. Si le royaume-là se lève contre lui-même, c'est que le royaume-là va être détruit. Ça va disparaître. Vous ne l'avez pas vu de cette manière. S'il a été de leur côté maintenant, pourquoi ils vont l'exposer? Ils gagnent quoi dedans? Vous savez, laissez-moi vous le dire tout droit comme ça. L'antichrist est déjà libéré dans le monde. L'antichrist est là. L'antichrist est là. Le but maintenant, c'est de retirer l'attention du peuple de Dieu, de ces grands hommes de Dieu là. C'est de retirer leur attention. Et quand le peuple sera éloigné de ces personnes là, maintenant ils vont injecter leur système dans le monde. Et on sera obligé, ou bien on sera très facilement prêt à adopter ce qu'ils vont nous amener. Parce qu'on n'est plus sous une certaine autorité. C'est ça le but. 666. C'est juste dans le cornet. Ça arrive. L'antichrist est déjà libéré. L'antichrist est déjà là. Et il combat. Pourquoi ce sont les grands hommes de Dieu? Pourquoi ce sont les gens qui sont très influents qu'ils attaquent? Ce sont des gens qui sont très influents. Ce sont des gens qui ont des milliers de personnes, des millions de personnes qui suivent au travers du monde. Ce sont ces gens-là qu'ils attaquent. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Il ne faut pas qu'on se laisse drainer par le diable, par l'antichrist. L'antichrist est là. L'antichrist est là. Si tu es chrétien, tu crois en Dieu, il faut que tu sois ferme. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand le berger est frappé, quand le berger est atteint, c'est que les brebis n'en parlent plus. C'est que les brebis vont se disperser dans la nature parce que le berger, parce que celui qui est devant eux a été attaqué. C'est ce qui est en train de se passer. Peuple de Dieu, corps de Christ, partout dans le monde, soyons éveillés. Soyons éveillés. Réveillons-nous. Ne dormons pas. Ne laissons pas l'espace au diable pour qu'il avance. Et quand les choses vont commencer par s'empirer, on n'aura pas de quoi nous défendre. Levons-nous et défendons la bonne cause de notre foi. Dieu est avec nous. Rien de mal ne va arriver. Tout, ils vont essayer par tous les moyens. Mais Jésus-Christ, il est toujours vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ
est en nous, il vit en nous. C'est ça. Crois en toi, crois en Dieu, tout ira bien. Prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Laisse-moi un pouce j'aime si tu ne l'as pas fait. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.